Je m'appelle Laurent, je suis psychologue pour couple. J'aide les couples en grande difficulté. Mais je suis un psy pas comme les autres. J'ai une clé pour les aider à aller mieux. La musique, je leur rappelle des bons moments grâce à elle. Des moments oubliés qu'ils retrouvent quand la musique arrive à leurs oreilles. Au final, je vois des gens heureux qui s'aiment. Et je peux vous dire que ça me rend heureux aussi. Et j'allais bientôt devoir relever le plus grand défi de ma carrière. Mais maman, il est où papa? Tu fais bien me poser la question. Faut qu'on en parle. Ouch. Quelque chose s'est brisé avec ton père. Et quoi? Je sais pas. Les années peut-être. C'est flou. Et comment tu veux que je rende ça net? Justement, je pense que tu peux. Ah bon? Bah, t'es bien psy pour couple. Je fais des thérapies de couple. On appelle ça. Tu plaisantes? Toi, quelque chose que j'avais un boulot à la con. Mais ça marche! 90%, oui. Il y a toujours des cas compliqués. S'il te plaît, fais-le pour nous. Ah, vous êtes mes parents. Je serai pas objectif. Tu réconcilies les gens grâce à la musique. Et tu sais comment on s'est connus avec ton père? Grâce à la musique et à la danse. Il faut qu'il soit d'accord. Fais en sorte qu'il le soit. Et hier, je venais juste pour prendre un petit déj. T'es pas obligé d'accepter. Mais t'es con, c'est tes parents, tu vas être obligé d'accepter. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Damien t'a demandé ça pour rien. Essayons au moins. Il fallait pas mêler notre fils à ça. Il vit plus chez nous. Faut pas lui faire supporter ça. C'est un défi, papa. Et tu sais à quel point j'adore les défis. Et te dire que tu y arriveras pas, ça te motivera davantage? Oh, tu me connais comme si tu m'avais fait. On pourrait essayer. Vous savez comment ça marche. Je mets la musique et vous allez vous laisser porter par elle. Ça serait trop facile. Ah non, maman, on ne touche pas à la musique. Ta première musique n'a pas marché. Ok, j'aurais dû poser la question plus tôt. Pourquoi ça va plus entre vous? Elle a dit qu'elle m'aimait peut-être plus. Ah, d'accord. Une thérapie de couple, c'est long. Ça marchera pas. Peut-être pas la première musique. Mais tu connais ta mère. Je sais que le problème, c'est elle. Et je vais adapter la thérapie avec ça. S'il te plaît, t'aimes toujours maman? Sinon, tu crois que j'accepterai ta thérapie? Ça va être compliqué. Il me faut peu de musique. Ah, la pression.
J'adore ça. Le fruit de leur création va de nouveau les rendre amoureux. On va essayer quelque chose de plus profond. Papa, mets-toi sur le fauteuil, maman, va dans la chambre. Je mets la musique et laissez-vous porter par elle. C'est la première danse que je t'ai demandé de faire avec moi. Oh, je m'en souviens. On avait galéré. Oh oui. Merci pour la danse. Voilà une bonne chose de faite, non? Tu joues sur la nostalgie. C'est culotté et délicat. Reste une dernière musique pour leur faire dire le mot magique. Nous avons fait du très bon travail, mais il reste une dernière étape. Pour ? Pour renouer, est-ce que vous m'avez demandé ? T'es sûr ? Oui. La chanson de notre mariage ? Je croyais pas avoir un fils aussi consciencieux des détails. Ça, il tient pas de nous. Non, c'est clair. Je n'ai vécu que des moments magnifiques avec toi. Ils m'ont rendu heureux. Et moi donc? Tu m'as donné une vie merveilleuse que je n'aurais eue avec personne d'autre. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre et que je devrais réfléchir avant de parler. Je te le fais pas dire. Mais... je ne pourrais pas vivre sans toi. Tu es mon amour. Mon unique amour. À moi aussi. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Je t'aime. Ah. Ah putain, j'adore ce boulot. Ah oui, j'adore ce boulot. Votre couple bat de l'aile, mais vous savez que l'amour est toujours là. Je suis votre homme. La musique. Grâce à la musique, je peux vous préparer la meilleure thérapie de couple du siècle. Comment il a dit que ça marchait ? Appuie sur le bouton ! Je crois qu'il faut que je remercie encore plus notre fils.